Donc à présent qu'on a terminé notre design, on va pouvoir quitter l'espace d'utilisateur et revenir donc à la partie développeur. Maintenant, on va configurer nos boutons. Jusqu'ici, on était dans le design et on va aller dans la partie bloc à présent. Ce qui nous permet donc de coder. Et j'ai plusieurs options ici. Et en cliquant donc sur mon bouton, puisque c'est mon bouton de ma page menu. Donc à présent que j'ai mon bouton, je vais vouloir faire la navigation pour aller vers ma page question 1. Donc là, j'ai navigation tout menu 1. Menu 1, c'est ma page d'accueil. Et donc, je ne veux pas aller vers ma page d'accueil, mais je vais aller vers question 1. Donc, j'ai juste à changer ça. Choisir donc question 1. Donc, c'est parfait. J'ai fait ma navigation. Maintenant, je peux revenir donc dans le design. Et je vais tester donc si j'arrive bien à question 1. On se rappelle que dans question 1, on a simplement une page blanche, pas autre chose. Je reviens sur menu 1 et je vais tester pour voir si mon bouton marche. Ici, donc, j'arrive là et quand je clique sur le bouton. Voilà, c'est parfait, j'arrive bien à question 1, la page blanche. Donc très bien, notre bouton fonctionne. Donc c'est tout ce que je voulais vous montrer pour ce premier petit tuto